l'initiative de la Banque populaire de Rabat-Kénitra. Ils ont voulu célébrer la journée de la femme. Et à cette occasion, j'ai bien sûr travaillé sur cette exposition qui regroupe trois femmes de trois générations différentes et trois univers différents. Rafiqa Azzaoui est une femme qui a mis l'accent sur la technique. Et on sent que la technique est importante chez elle, le trait, le point, les plans, etc. C'est un travail rationnel. Fatem Zahra Merjani est plus dans le concept. Et là, ce qu'elle a produit, ce sont des talismans. Mais c'est une femme qui est également architecte, qui défend la nature et l'environnement et qui, là, elle a fait des compositions d'éléments de la nature. Et Zineb Benani Smirs, elle est beaucoup plus dans, on va dire, la couleur. Et qui dit couleur, dit passion, en fait, c'est le cœur qui parle. Donc, on est aujourd'hui à la Banque populaire pour une exposition intitulée Peinture au féminin. C'est une exposition d'abord par la composition, oui, donc de trois femmes et trois générations. Donc je voulais faire véhiculer un message à la nouvelle génération à travers la femme voilée avec le haïk, puisque les jeunes actuels ne connaissent pas. Et nous-mêmes, on ne l'a pas vraiment vécu, mais on a entendu de nos mamans nous parler de ce haïk qui était dans les villes marocaines et que maintenant on le voit rarement à travers peut-être le folklore ou au fin fond du Maroc. Et donc, j'ai voulu transmettre ce... D'ailleurs, même mes enfants, ils étaient surpris de voir qu'il y avait dans notre culture marocaine, cet habit. Et à travers, puisqu'on est passé par une période vraiment très difficile, et j'espère qu'on va s'en sortir, et qu'on était confinés, on ne sortait pas. Et donc, je me suis retournée à la nature. Et donc, nature aux femmes, c'est pareil pour moi. Et donc, c'est à travers ces œuvres qui montrent la forêt, mais c'est une forêt presque imaginaire. C'est pas un chevalet devant le paysage, c'est plus de l'émotion toujours.